C'est un tournage très particulier. On va raconter l'histoire d'un navigateur en solitaire qui est interprété par François Cluzet. C'est pas qu'un film sur la voile, c'est d'abord une aventure humaine, c'est le parcours d'un homme dans cet univers-là et comment, à travers l'histoire qu'on va raconter, il va changer. La particularité de ce film, c'est qu'on fait un film de cinéma, mais on a décidé de faire un film de cinéma vraiment en mer. Donc on est dans des conditions réelles de tournage en mer, sur un vrai bateau, en pleine mer. Il n'y a aucune prise de vue en studio, tout ce qu'on va filmer est vrai. Ce bateau, il s'appelle DCNS, il est juste derrière moi. On a fait toute une série d'interventions, de peintures, il a été entièrement repeint avec des nouvelles couleurs de pont, de coque, de voile. On a également reconfiguré complètement l'intérieur du bateau pour intégrer un peu les contraintes du tournage. C'est le début d'une nouvelle aventure, mais qui a commencé maintenant il y a plus de 2 ans, avec le scénario, l'écriture, la mise en place de toute l'équipe et des conditions de tournage. Donc on est maintenant à Lorient depuis 3 mois. Enfin, il y a tous les bateaux ici, dont certains vont partir pour faire le Vendée Globe. Nous, on va commencer notre Vendée Globe à nous, à bord d'un bateau qui est, avant d'être un bateau de cinéma, qui est un bateau de course. Il faut qu'on soit tous ensemble à faire la même chose, on fait le même film. Ouais. On monte au-dessus, et tu fais 2 demi-clés. 3 tours morts, 2 demi-clés. 1 tour, 2 tours. Là on a fait au plus fin quoi. Ça c'est au plus fin. Pour celle. Tu rigoles quoi. Je trouve ça fait un peu gros mais. Ah ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Son box, fais attention, pas déchirer des voiles, mais ça va le faire.